Bonjour à tous! Aujourd'hui, on est plus que super méga ravis de vous retrouver pour une journée tout à fait spéciale avec quelqu'un de tout à fait spécial. Exactement. Nous sommes le 5 décembre et nous nous rendons au Salon du Cheval avec Maïna. Maïna qui a fait la route depuis la Bretagne hier pour nous rejoindre, pour passer cette journée avec nous. Il est... Il n'y a pas l'heure sur cette voiture? C'est 9h55. 9h55. Bon, on y arrive dans 5 minutes, donc on va être super à l'heure pour l'ouverture. Là-bas, on retrouve Wendy. Wendy, notre fan qui est venue passer une journée avec nous. Et puis voilà, je pense qu'on va passer une journée de dingue, à mon avis. J'ai très très hâte. En plus, c'est la première édition de Maïna, donc c'est son premier salon. Et tu aurais des petites courses à faire, of course. C'est quoi ta wishlist? Moi, c'est le tapis pour Pépita. Yes. Bah, moi aussi, c'est plutôt un tapis le must de ma wishlist. Je voudrais un tapis de randonnée à sacoche rouge. Parce qu'il y a plein de tapis de randonnée à sacoche. Mais rouge, j'en trouve nulle part. Donc je compte sur le salon pour en trouver. Et toi, Maïna, tu as un truc précis? Pas particulièrement. Voilà. Bon, et ben, on est sur le point d'arriver. Donc on va retrouver Wendy et commencer notre petit salon. Et ben, donc on vous retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Bisous. Yes. Elle est là, Wendy. On l'a. Je vais essayer de partout. Ça va, Wendy? Coucou. Et Wendy, à chaque fois qu'on la voit, ça fait trois fois, hein, mais à chaque fois elle est autant émue. C'est trop choupi. Yes, on a les billets et on est parti. Hey, ça y est, on est dans le salon et là on est en train d'essayer de retrouver notre fan Lisa, qui est une fan apparemment inconditionnelle et une amie de Maïna qui vient aussi de Bretagne. Donc on essaie de la retrouver et après ça on va pouvoir commencer le salon en bonne et due forme. On a croisé notre première fan du salon, Camille. Voilà. Voilà, on attend Lisa et là on va être un beau troupeau à la fin de la tournée à mon avis. Un troupeau de fans. D'ailleurs, on a retrouvé Lisa. Donc là on est au complet ou presque, on est un beau arène et on va commencer notre salon pour de bon. Voilà, à tout à l'heure. Du bien, il fait chaud dedans. On est en train de signer des petits autographes, de signer des petites photos. Voilà, on est encore assez nombreuses. Hein. On a perdu quelques fans en chemin qui ont dû y aller. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors, c'est un peu difficile de circuler entre les stands. On a un peu de mal à trouver ce qu'on cherche. Là, il y a une paire de cordes, une paire de rênes encore qu'on n'arrive pas à trouver. Moi, mon tapis à sacoche, pareil. J'espère qu'on va repartir quand même avec ce qu'on était venu chercher. À quelle heure il est là? Il est 4h15, le temps passe vite quand on chamboule. Ouais. Oh là là. Je sais pas ce qu'on va faire après. Quelqu'un veut, à part essayer de trouver nos achats, et après il y a peut-être une animation. Ouais, faudrait voir ça. Moi à 18h, j'aimerais bien voir l'initiation à l'équitation islandaise. Ça serait bien trippé. J'aime bien les petits polis islandais. Bah, le meet-up à 17h, il est. Et après, sinon, il y a le meet-up à 17h auquel toi tu vas aller. Il faut que, ouais, qu'on te jette au meet-up. Ouais, bah, on va aller faire un tour au meet-up alors. Et bah, à tout à l'heure pour de nouvelles. Montre-moi. Coucou, c'est moi. C'est Maïna et Pampa.
gagné cette paire de boots qu'elle a au pied. Est-ce que c'est pas la classe à Dallas? Je suis au stand de cheval pratique avec les boots de cheval pratique. Grave, publié par cheval pratique. C'est génial. Coucou tout le monde. Il est 20h15. On repart de chez Wendy qu'on a redéposé chez elle. Malina est avec nous là-bas derrière dans le noir. On est claqués. On est ravis aussi. C'était une édition complètement bizarre pour, de notre point de vue. Oui. Parce que nous, pour nous, ça se passe pas du tout comme ça d'habitude. Normalement, on est toutes les deux. On fait notre petit truc toutes les deux. Et là, en fait, clairement, on a fait le salon en meute. On a fait le salon avec une dizaine de fans. Donc c'était trop chouette. Et en fait, il y avait un troupeau genre. Qui faisait le salon en long et en large en travers, c'était drôle. Grave. Ils nous voyaient débarquer, les gens ils écarquillaient les yeux genre oh mon dieu c'est quoi ça. Après nous pour nous c'était différent parce que d'habitude on vient en semaine pour faire nos petits achats tranquillement donc il y a personne. Alors que là il y avait un monde de fou donc on a vraiment pas l'habitude de ça. Donc l'accès au stand, l'accès aux carrières est un peu compliqué. En même temps on a quand même vu des choses sympas. La voiture avec les Irish c'était très 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 beau. Ouais. On a vu la monte islandaise, moi ça m'intéressait bien, je suis contente, on est arrivé juste à temps pour la voir, c'était chouette. Donc voilà, on a fait des rencontres super, le meet-up c'était génial, enfin le meet-up c'est génial. Humainement c'était génial, organisationnellement c'était l'enfer. Non c'est vrai, ça c'était vraiment pas cool, c'est qu'on a eu un bug d'organisation en fait. Comme les ânes n'étaient pas indiquées sur le plan, on a supposé qu'ils étaient au même endroit que d'habitude, donc on a donné rendez-vous au même endroit que d'habitude. Et on a téléphoné au salon du cheval quand même pour leur demander est-ce que vous nous... Ils nous ont confirmé. Ouais, ils nous ont confirmé, oui, ils sont bien là les ânes. Sauf qu'ils étaient absolument pas là. Ils étaient absolument pas là. Donc au dernier moment on s'est dit merde, est-ce qu'on garde notre meet-up au village des enfants comme on l'avait décidé, ou est-ce qu'on va voir les ânes, mais peut-être que les gens vont se diriger, enfin bref, c'était... un peu l'enfer. Donc j'espère de tout mon cœur qu'il y en a pas parmi vous qui nous ont loupés, qui nous ont pas trouvés. J'espère vraiment, mais je crois pas. Oui, on a fait plusieurs tours. Oui, on a essayé de voir s'il y avait pas des fans en train de nous chercher. On faisait des allers-retours entre du coup les deux points et tout. Donc je pense qu'on a loupé personne, j'espère. Et là, étonnamment, on a été assez sages. On n'a pas acheté grand-chose. En même temps, on a été très occupés, on n'a pas vraiment eu le temps de faire c'est vrai consciencieusement toutes les allées comme on aime bien faire. Grave. Non mais en plus, moi, autant les années d'avant, j'avais une grosse wishlist, autant là, j'avais pas grand-chose. Et j'ai pas trouvé, d'ailleurs, c'est pas grand-chose que j'avais. Mais j'ai trouvé des trucs quand même. Et comme on n'a pas acheté grand-chose, du coup, on vous présentera nos achats dans le hall de décembre. On va pas faire un hall spécial salon. Ouais. Mais il y a trois bricoles, quoi. Pas d'attelage, hein, trois bricoles, genre trois bêtises. J'ai acheté trois bricoles. On sait rien du tout. On sait jamais, hein, ça peut casser. Hein. On a quand même une petite pensée pour Marine, Perrine et Louise, qui devaient être avec nous aujourd'hui et qui ne l'ont pas été pour différentes raisons. Mais vous avez été avec nous dans notre cœur. Oui. Et on espère que par cette petite vidéo, vous aurez été. J'ai l'impression d'être avec nous. Yes. On remercie toutes les filles qu'on a rencontrées aujourd'hui, qui ont toutes été adorables. Trop c'était mignon, génial. Merci. Jamais arriver en pleurant par contre parce que c'est trop terrible. Voilà, on vous fait des gros bisous à toutes vous qui étiez là, on vous fait des gros bisous à tous vous qui regardez cette vidéo et puis on vous dit peut-être à l'année prochaine au salon. Sûrement même. Gros bisous, à bientôt. Bisous. Bisous.